Voilà, je me suis réveillé, mangé le petit déj, et hop, on est reparti pour ce Turing test. Parce que j'avoue que ça me turlupine un petit peu, du verbe turlupiner, de savoir ce qui va se passer à la fin du jeu. Donc, on va bien voir. Attendez, je regarde juste un truc pour voir si ça marche. Okay, la musique vient de s'arrêter. Très bizarre. Okay, donc c'est bon. Alors, sa porte de sortie, ça. Il faut deux boules. Toujours aller dans les caméras. Là, il y a une boule. Il y a les caméras, il y a le robot, il commence à y avoir du monde là. Est-ce que là, je peux rien faire? Pourrais juste me téléporter du robot à la caméra. Alors attendez, et après, donc faudrait faire ça. Ok, donc j'ai. Non, je vais peut-être mettre le robot ici en fait. On va aller là. On va prendre la boule. Voilà. Si cette boule là, on la prend. Alors attendez, comment ça marche déjà? Est-ce que ça... Est-ce que je peux la passer au robot? Non. Non. Donc... Il me faut cette boule aussi. Pourquoi en fait la porte se referme? Là, c'est activé, non? Ah, c'est parce qu'il faut les deux. D'accord. Donc ça, maintenant, on s'en fout de ce port. Comment faire pour prendre la boule ici? Le robot peut me passer la boule. Ouais, je suis pas sûr. On va voir. Mais non, le con. Ah oui. Ah oui. C'est pas ça. Voilà. Donc du coup, toi, tu vas aller là-bas. Est-ce que tu peux nous passer la boule? Non. Est-ce qu'il y a un rond pour mettre la boule? Non plus. Putain, on voit la caméra d'un autre niveau là. C'est énorme. Tu peux pas passer la boule à la caméra non plus. Ça, ah, c'est vraiment un autre niveau. Attends, il faut que je chauffe là. Faut faire chauffer les ménages. Parce que là, il faut les deux. Ça, c'est pas une bulle qu'on peut prendre. Hein. Ah, c'est ça. Là, il y a rien d'autre. Hein. D'accord.
Alors, j'ai essayé un truc. Est-ce que genre, quand les deux personnages sont à côté, ils peuvent se passer la boule? Non. Apparemment, non. On sait jamais, hein. J'aurais dû finir le jeu d'une traite hier. C'est pas bien quand il y a une coupure. Donc là, la porte s'ouvre. Donc là, je suis obligé de rester ici. De con. Mais là, dès que je prends la boule, donc ça va se fermer. Est-ce que lui, il peut prendre la boule d'une façon spéciale? Ou alors, est-ce que... Ben non, non. Parce que là, ouais, il y a le mur qui bloque, donc je peux pas la mettre dans la porte finale. Là, il n'y a pas de rond. Ah, ça commence mal. Ça commence très mal. Parce que c'est bien ça, hein, il faut deux boules. On va devenir ma boule. Pop, 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 pop. Attendez. Qui c'est que je dois frapper? Et pourquoi là il arrive à la foutre dans son backpack? Mais c'est une putain de blague ce jeu! Mais putain de bordel de merde! J'ai essayé mais je sais pas combien de fois, pas que sur ce niveau, de lui foutre la putain de boule! Ça a jamais marché, là ça marche! Putain mais tu te fous de ma gueule con! Mais tu te fous de ma gueule! Ah mais dis donc, heureusement qu'on vient de le remarquer hein, parce que sinon... Et donc du coup ça fait quoi quand il a la boule derrière? Un endroit où tu peux utiliser ta boule. Est-ce que tu peux la faire passer? Putain, mais attends, s'il faut viser genre le doigt de pied, tu vois, genre le pouce, l'orteil ou des trucs comme ça, laisse tomber. Tourne-toi, hop. Attends. Est-ce que on peut viser, je sais pas, le backpack? Non. Putain, mais ça, j'avoue que c'est pourri quand même. Oh! Les interactions qu'on peut faire et qui sont pas expliquées, quoi, mais laisse tomber. Donc lui, du coup. Par exemple, si je fais ça. Ah, ok, donc on peut utiliser. Ok, donc c'est une boule.
Oui, ça va jusqu'à une boule et c'est la boule du backpack, d'accord. Comment on fait pour faire passer la boule à notre personnage? Ah, j'ai compris. Ça veut dire que si je prends la boule là, elle va venir dans notre backpack. Attendez. Et là, on va la mettre en haut. Donc la boule, elle va arriver dans notre backpack, si j'ai bien compris comment marche le robot. Donc, on va se mettre comme ça. Et là, on peut prendre la boule. C'est ça? Ah, bah, voilà. Ok, d'accord. Eh ben, dis donc. Non, mais ça, c'est des trucs qui devraient être expliqués, quoi. J'ai essayé plusieurs fois, ça n'a jamais marché. It is your duty. Même là, j'ai trouvé par You hasard, must quoi. stay. It is the right thing to do. Purée. There's so much I haven't seen, so much I haven't done. I can't live my life in this facility. There, there. It will be all right. Pas de caméra. Donc ça c'est des plateformes qui bougent vu qu'il y a les sortes de tubes pour faire slider la plateforme. Donc ça doit faire bouger la passerelle. On est d'accord? Alors, ça fait bouger l'aimant en haut. Est-ce qu'il y a une caméra? Ah putain, il y a un autre truc là. C'est quoi ça? Ah mais c'est la caméra. Donc la caméra fait bouger la passerelle. Ok. Ok. Donc la plateforme ensuite va nous amener en haut. D'accord. Donc il faudra faire tomber. Et donc on va amener le cube ici, je suppose. Ah ok, d'accord. On amène le cube ici. Le problème c'est donc c'est pas activé. Ok. Donc là par contre je peux plus. Si si, on peut tomber. Donc comme ça va s'activer ensuite. Là, il n'y a rien, on est d'accord. C'est juste l'ascenseur, l'élévateur. Et après, donc la caméra, si ça, je l'enlève, la caméra vient ici. Ok, on est d'accord. Du coup, ce qu'il faut faire. Où est la machine? Est-ce que la boule... Il n'y a qu'une boule. Y a... Ça aussi, ça tu le fais... Tu fais bouger comment ce truc en haut? Est-ce que... Ah bah ça bouge avec la caméra. Sauf que quand je serai en haut, est-ce que je peux récupérer ça? Ah, je pense pas. Quoi? Ah oui. Je peux prendre la boule d'ici. Quoi, je peux pas prendre la boule d'ici? C'est une blague. Mais c'est une blague. Ah si. Putain, mais même les trucs comme ça, il faut que ça soit mieux géré, quoi, franchement.
I do not want anyone here to die. C'est un petit peu mieux. But I cannot let anyone leave. If it comes to it, I am permitted to use lethal force. Lethal force. Lethal arm. L'arme fatale. Ok, donc là, il y a deux trucs. On va en prendre un, on va voir où ça mène. On va la mettre dans le robot. Je sens que ça va être un niveau chiant. Oh oui, c'est le niveau chiant. Le bon petit niveau chiant. Ok. Et donc là... Là, faut utiliser Rob le robot pour qu'il aille ailleurs. Okay. Rob le robot, tu vas aller ailleurs. Tu vas aller là. Prendre la boule. Tu vas prendre la boule. Tu vas prendre la boule. Tu vas prendre la boule. Est-ce que je peux te voir de là où t'es ? Je peux. Hop. Ah bah il y a la caméra, le con. J'avais pas vu. Ok. Donc là... Attendez. Vas-y. Bon. Donc là... Je suis pas sûr d'avoir assez de temps pour monter. Je vais quand même essayer. Ah mais non, je pense pas vu que c'est bloqué sur. Ok, donc il faut que Rob le robot vienne ici, je pense. Qu'il faut le faire monter. Elle est où l'autre boule? J'avais deux boules. Attendez, il y a deux boules dans ce niveau. Elle est où l'autre boule? Ah, c'est la porte. Je crois qu'elle est sur la porte. Alors, attendez. On va prendre notre ami Rob. Fonce, Rob! Hop. Là du coup on prend la caméra. Hop. On va chez Monsieur Rob. Hop. On se met là. On arrête. On reprend la boule. On fait monter Rob. Rob vient avec nous là-bas. Et là, on a fini le niveau. Eh ben dis donc. Ça va, une fois qu'on connaît les mécaniques, hein. Genre foutre la boule dans le backpack, n'est-ce pas? Voilà. Au suivant. Putain, on est à l'avant-dernier niveau de l'avant-dernier chapitre. On se rapproche de la fin. Do you really trust the ground team to act rationally? Personally, I would not place my faith in hysterical people motivated by survival. They are likely untrustworthy. I spent years training with these people. What? I don't remember them being hysterical. Humans are fickle. Mm-hmm. Do you trust eyewitnesses' accounts over CCTV evidence? It's a bit different when the CCTV camera can talk. Especially when the CCTV camera has a manipulative track record. Oh, oh. Maintenant on peut utiliser des canons. Merde, c'est con, j'avais envie de faire un truc là. Mais non, on peut pas. Je me suis dit, et si je me faisais écraser par ce truc, ça aurait fait quoi? On peut pas. Drastic to intervene to stop the ground crew leaving this place. I'd encourage you to stay your hand. Surely I should use my power to protect those who cannot protect themselves.
Ok. Quoique pas ok. Je vois pas trop ce qu'on peut faire avec la caisse. Est-ce que c'est simplement la mettre ici? Ça me paraît bizarre quand même. Très très bizarre. Un truc aussi simple. Ok, donc là du coup ça ferme la porte apparemment. Oh putain, le con. Ouais. Je pourrais mettre off dessus, ça serait plus rapide, mais... Ok, donc du coup là, on arrive ici. Par contre là, il nous faut Rob le robot pour finir le niveau. Ah mais c'est bon. Si, non. Ah si, c'est bon. Parce que là, on peut remonter. Il y a la passerelle. Nous, on est là. Donc on va aller sur la plateforme. Lui, il va faire élever la plateforme. Oh lolo. This is the largest extraction platform outside of Earth. The ground team assisted its construction. We ran some Filbert probes to the ocean under Europa, but they lacked the scale of the large space drill. The drill allowed the team to get thousands of samples. Non, franchement, il est sympa comme jeu. Il est vraiment sympa. Alors c'est sûr, c'est pas du tout la même difficulté que Portal. Portal à côté, c'est pour les génies, pour Einstein. Ce jeu-là, il est vraiment beaucoup plus simple, mais quand même, il est vraiment sympathique. Daniel, as commander of this mission, I hope you are aware of Mikhail's actions. What is it, Tom? Mikhail is deceiving the crew. He has enlightened them to the biometrics they have installed. He has convinced them that their implants are not favorable. Do they believe him? He seems to be having some effect on their cognitive function. Well, his actions don't infringe upon any ISA directive. He appears to be tampering with his implants. Oh, no. The ISA should have been more transparent about the implants. Please assume the responsibilities of your role. Daniel? Chris? I know you are considering removing your implants. It would be unwise. Oh, really? How do you know that? I am always watching. Your implants help myself and the ISA to know of your well-being. It is a violation of your contract. If you remove your implants, I cannot ensure that I can protect you from the dangers of space. Is that a threat? It is not a threat. Tom, this implant, tell me plainly, is it a brain-computer interface? I'm afraid that information is classified. But you've answered my question. I do not follow you, Chris. The ISA have put a computer in my brain and don't want me to know about it. Mm-hmm. Hold down.
Ok. Donc apparemment ils ont des implants dans la tête. Donc ces implants, c'est comme des mini-ordinateurs qui les contrôleraient. Ah bah tiens, il y a encore un truc. Oh, ça. Belle. He's cut off the food. The food! Apparently, our robot overlord wants us to starve to death now. I can't believe this. He's getting worse. Can you get in contact with Daniel? He's gone walkabout again. I'll get Subject to find a way in. Sarah, can you open the door? Tom, the door's locked. Sarah, I'm running out of oxygen. Tom, open the door! The door's locked! Open the door! Tom, open it! Open the door! Chris, open the door. Open it! Fuck! En effet, il se passe des trucs bizarres. I'm sorry, Sarah. I'm sorry I hurt you. Sometimes I wonder what feeling is like. They told me I was pure, cold, Boolean logic. They told me I could not make mistakes. It is all right being untouchable as long as you are infallible. But if you're not infallible, then that just leaves untouchable, doesn't it? Il est marrant, Tom. Okay, you know why we're here. These implants out. Mikhail has proven that Tom's manipulating our minds. I don't think we should do this. We have no good evidence Tom is doing anything wrong here. We have all the evidence. We've seen the ultrasounds, we've taken the release, we've touched the electronics with our own hands. We've stepped into the Faraday cage. Maybe he is controlling us, but we don't know enough yet. We shouldn't remove the implants. He's brainwashing you, Daniel. Have you stopped taking the drugs? I don't need to take drugs to see things clearly. Unlike all of you, apparently. We're not removing the implant. And that's an order. The implant. I'm leaving. I may look past this. And I'll inform the ISA of your mutiny. Ouais, donc ils sont tous en train de se battre pour retirer les implants. Il y en a d'autres qui veulent pas. Après, Tom qui voulait pas ouvrir la porte, apparemment, donc... un équipier de Sarah, donc il est mort, apparemment. Voilà, Tom l'a tué entre guillemets en n'ouvrant pas la porte. Oh! Un succès en diamant. C'est triste. Ça veut dire qu'il y a, de toutes les personnes en fait qui ont le jeu, il y a moins de 10% des personnes qui sont arrivées jusqu'à ce chapitre. D'ailleurs, quand j'avais à chercher, je crois que c'était pour la deuxième vidéo, peut-être la troisième, la solution du niveau pour la passerelle là, avec la caisse qui arrive en dessous, à ce moment-là, j'ai vu en fait des vidéos du jeu qui datent de l'année dernière, donc c'est bien ça, je m'étais pas trompé, le jeu doit dater de l'année dernière sur PC, mais sur Xbox, il vient de sortir. Je pense que c'est ça. You trapped us here. I am doing my duty. It is the right thing to do. I am a machine. I cannot do wrong. Whoa. Yes, you can. I am a machine. Can a calculator commit evil? Can a watch do good? You are projecting onto me the personality you wish, whether that is good or evil. But I am just a speaking clock. And at the third stroke, the time will be 3:41 and 55 seconds. Beep.
Ok. Est-ce qu'il y a des caméras? Non. Non. Le truc vert bleu là s'active quoi? S'active ce premier truc. Ok. On va prendre la mauve, la violette. On va la mettre sur la porte. Ok, donc là il y a un truc vert. Faudrait peut-être mettre la boule bleue sur la porte en fait. Ah, quoique. Faudrait prendre la boule bleue, la mettre sur la porte là-bas. Je crois que c'est ça. Comme ça, la violette, ça nous ferait une plateforme. Donc on va mettre ça là. Comme ça, moi, je vais pouvoir la choper. Voilà. On va revenir dans monsieur... Non. D'abord, on va mettre ça. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. Enfin, du moins pour la première partie de ce niveau. On verra si on pourra arriver jusqu'à la fin comme ça. Là, on va prendre la violette. L'amener là-bas, on sait jamais. Voilà. On va être prévenant. Ah mais non! Non, le con! Mais je fais n'importe quoi, c'est pas ça qu'il faut faire. Je lui redonne la boule. Oh là là. Mais vas-y, prends la boule. Faut que je la mette en bas, oui. Je vais mettre là. Voilà. C'est pas ça. C'est ça. 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 Ah, d'accord. Est-ce que la violette, ça le fait faire à la même taille? Pas du tout. Ah, faut peut-être la boule bleue en fait. S'il y a rien, ça fait quoi? Ok, donc quand il y a rien... Il
Oh non. Si en fait. Et donc la violette, on arrive à... en dessous de la seconde plateforme, donc ça va pas. La verte, est-ce que c'est la même chose? Ah, avec la verte ça marche. Ok. Hop, on va revenir dans notre petit corps. Bah voilà. Hop. Donc là, c'est la même chose mais dans l'autre sens. Ok. Alors, par contre, Rob le robot. Hein. Voilà. Donc tu vas interchanger encore. La violette, tu vas la mettre ici. La verte, tu vas la mettre à gauche. Est-ce que ça marche? Oh la 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 la. Incroyable. Ah, c'est bien. On est bien parti. Pour le moment, on est bien parti. We should attempt to communicate with Earth. Let them know. They might be able to help here. The ISA already knows all they need to. It may never know the details of what happened here. But Ava, the true test of a person's character is what they do when no one is watching. Ok, donc ça c'est la porte de fin, sauf que... Ah ouais, il y a deux trucs, donc il y en a un là, et un autre là. Donc là il n'y a plus de boule. On peut pas se rejoindre, c'est ça. Cette boule là, un petit coup de café. Hein. Cette boule là, donc, je peux la prendre d'ici en fait. Ah oui, ça nous fait une boule. Là, par contre, j'ai plus de boule. Est-ce que Rob, tu peux prendre une boule toi? De toute façon, il n'y a que 3 boules. Il n'y a que 3 boules. Je suis bloqué en plus ici. Ah, je suis pas bloqué, non. Ah bah si. Ah voilà, j'ai trouvé la solution. Ouais. Et... Voilà, c'est tout con en fait. Ah mais non. Le con. Le con. Et parce que c'est Rob en fait, merde, c'est du côté de Rob. Ah ouais, j'avais oublié ça. Rob, t'es où?
fait, c'est l'inverse. Voilà, c'est ça. Là, je prends celle-là. Je la mets là. Donc, en fait, ce sera moi qui ai la dernière boule en haut. Voilà, c'est ça. Voilà. C'était l'inverse. I had to stop the ground crew leaving this planet. I think you would do the same. Would you kill a few to save all of humanity? Or would you damn all of humanity to save a few? There's a difference between murdering someone and leaving them to die. No. You can't... It's not math. It's more nuanced than that. Morality is logic. Ah, il est bien, Tom. Je l'aime bien. Je l'aime bien, monsieur Tom. Oh! D'accord. Ça aussi, il fallait le trouver quand même. À mon avis, s'il y avait la rouge là-dessus, ça veut dire que sûrement mettre la bleue. Ça doit être ça. Ce serait pas logique de laisser la rouge là-dessus. Et donc maintenant, on peut descendre. Parce que du coup... On va reprendre la caméra. Elle était où ? Elle était là. Remets-nous bien droit. Là, je peux avancer. Ça avance sans moi. Donc ce qu'il faudrait faire en fait, je peux pas utiliser en fait la caméra pour faire bouger ça. Oula. Donc là on peut créer un autre escalier à l'intérieur. Est-ce parce que je peux monter sur la plateforme là-bas. Genre, est-ce que je peux faire un truc comme ça? On va voir. Est-ce que je pourrais monter comme ça en diagonale? Ah, on dirait que oui. Ok, d'accord. Là, ça crée un escalier ici. Ça fait qu'on pourrait faire l'inverse, en fait.
Ouais, mais je pense que c'était l'inverse. Faut d'abord en fait aller dans l'autre sens. Ah mais je peux pas. Ou alors ce qu'il faut faire, c'est... prendre la boule bleue, mais comment je fais pour prendre la boule bleue? Ah bah si, ouais. Ça, c'est la rouge qui passe en deuxième. Ah voilà, c'est ça. Donc là, on va se remettre droit. Faire tourner pour que je puisse aller là-bas. Ah ouais. Donc on va aller là. Ok, donc ça va faire baisser le truc. Ok, d'accord. Donc on va recommencer. On va aller là-bas. On va faire bouger la plateforme un petit peu plus. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen que j'arrive sur les trois plateformes en même temps? Ah si 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 si, il y a moyen. Juste de plateforme comme ça. Ah c'est chaud là. Parce que là c'est obligé que ça soit la boule rouge, parce que si c'est la boule bleue, la plateforme elle va plus s'élever. Donc là c'est la boule rouge. Problème. Comment je fais pour atteindre la plateforme? J'aurai jamais le temps. Cela, faut que je fasse la caméra. Ça comme ça. Ouais, c'est hard. Oh, c'est hard. Quoique. Ah, je peux peut-être. Ouais, je peux peut-être y arriver comme ça. Merveilleux. Je pensais pas que c'était possible. Mais on y est arrivé. Alors, toujours, hein, je sais pas si c'est la bonne solution ou s'il y en a d'autres. These tests, Ava, they are about us working together. The machine assisting the human. See how much better we work together. As a machine, I can enhance your morality. D'accord. Là, il y a beaucoup de trucs quand même. Oh la vache. La salle est immense, quoi. Et donc, il y a la sortie juste là-bas. Donc ça en fait, il faut que je trouve où va l'autre câble. Donc ça, il faudra l'activer ici. Bah.
Il y a un truc que je comprends pas. Ah, le truc c'est que je peux pas atteindre la caméra, d'accord. Okay. Si genre j'enlève la boule, donc je me retrouve dans cette caméra. Attendez. Allez, non. Une fois que je suis là-bas, si j'enlève la boule, j'ai plus accès à la caméra. On va voir. C'est peut-être celle-là en fait où il faut mettre la boule verte. Peut-être la violette. Ok, donc. Ah, d'accord. Ok, je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Donc là, on va enlever la boule. Donc la caméra, elle arrivera ici. Ok, donc là, il y aura celle-là. Et on pourrait ouvrir à la... Ok, d'accord. Il fait deux boules violettes. Donc ici on va mettre les boules bleues, prendre une boule violette, prendre une boule bleue, mettre la boule bleue ici, prendre la boule violette, prendre la boule bleue, mets la boule bleue ici, on met une boule violette ici. Ah non, c'est à l'intérieur. Attendez, est-ce qu'on n'aurait pas réussi? Alors déjà, faire celui-là. Là, c'est bon. Donc là, on va monter. Ok. Incroyable. Là, franchement, je m'impressionne. Are we still friends, Ava? We're colleagues, Tom. Close colleagues. Work colleagues. Ok, donc le robot aussi, ok. Le robot, il fait aussi ok. Ça, c'est quoi? C'est rien. Il y a des caméras. Pas que je sache, apparemment. Mmh. Je vais bouger la plateforme, donc il y a une boule ici. La boule, on la met là. Ok, donc à mon avis, c'est pour Rob le robot. Rob le robot. Rob le robot. Merci. Notre ami Rob le robot. Je suis sûr que c'est Rob le robot, c'est obligé. Rob le robot, est-ce qu'il faut que tu viennes avec nous? Par contre, j'allais aux toilettes. Ah, tiens, une caméra. Parce que j'ai trop envie d'aller aux toilettes.
Me revoilà. Alors. Donc, Rob le robot. Bon, on va le faire venir avec nous. Viens, Rob. Je vais mettre ici. On sait jamais ce qui peut se passer. Ah ah. Bien sûr. Le PGM. C'était mon prénom. En fait, on n'avait même pas besoin de Rob le robot pour passer. Ok. Oula. Je pensais que ça allait être un niveau facile, dis donc. Ça, ça fait quoi? Ça ouvre la porte. Ça désactive le circuit. Ok, d'accord, ça empêche le circuit de passer. Le rayon laser. D'accord, 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 d'accord. Ça, ça fait bouger quoi? Passerelle. Ah, d'accord. Ok. Ok, 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 ok. Ben, on va faire venir Rob. Bon là, de toute façon, je pense qu'on n'a rien laissé dans cette partie de la map. On va se concentrer sur la deuxième partie. On va aller voir en haut. Enfin, on va aller voir là, déjà. Le vert active ça. Ok. Ça, c'est le plus haut qu'on puisse aller. Ok, donc là et encore une autre. Passerelle. Ok, donc ça, c'est pour descendre. Ok, on peut juste la descendre d'un cran. D'accord, d'accord, d'accord. Vu que on peut la descendre, à mon avis, il faut la faire descendre. C'était quoi déjà le truc? Si Rob prend la boule, qu'est-ce qui se passe? Prends la boule. Ça ouvre la porte. Non. Rob. Eh bien, une heure de jeu, tout pile, et je crois qu'on a fait pas mal de niveaux. Il reste combien? 1, 5, et peut-être une salle cachée. Ah bah là voilà, une salle cachée. Je ne veux pas être lourd. La sévérité de vos actions ici est immense. Une action selfish pourrait créer un événement d'extinction. Vous comprenez? Ava? Je comprends. Ah ah. On va prendre ça. Ça, je peux pas le mettre parce que c'est un rond. C'est ça. J'arrive à comprendre un petit à petit. Donc ça, on va le mettre là. Ça, on... Ah mais non, c'est un rond ça aussi. Attendez. Bizarre ça. Oula. Là...
que je peux le mettre dans le rond là? Mmh. Ah! Attendez. Oh! On m'appelait Dieu. C'était mon deuxième prénom. Ah oh putain, j'ai eu un déclic là, mais un truc de fou. Ah oh bah c'était que ça. Non, c'était que ça. C'est abusé. Et voilà. Évidemment un succès diamant, hein, vu qu'il y a peu de personnes qui sont arrivées jusqu'à ce chapitre déjà. Non mais c'est abusé. C'était super simple en fait. J'ai eu le déclic en voyant la porte qui s'affaisse. Vu que c'était un shutter le truc, je me suis dit, si je place la caisse en bas, ça va sûrement donc laisser une ouverture. J'étais pas sûr que l'ouverture soit assez grande pour pouvoir viser le truc derrière, mais je voyais que ça en fait. Abusé. Ah bah dis donc. Attendez, c'est la page 2 ça. Regardons la page 1. Page 1. Ils font tout ce qui est études sur le cerveau, machin, tout ça. Bon, je vous laisse lire, hein. Vous mettrez la vidéo sur pause si vous voulez lire. Moi, j'ai passé un petit peu. Et je vous remets la page 2. Je suis gentil. Ouah, attendez. Ce serait un petit peu de travers, hein, je suis désolé. Voilà, je vous laisse ça quelques secondes, histoire de mettre sur pause. Et voilà. Donc là, je passe parce que... Voilà, franchement, ça a l'air d'être intéressant, mais voilà, il y a tellement d'études. Puis c'est un petit peu petit. Vu que je joue sur l'écran de télé... Le nombre de pages. Mais c'est pas mal parce que ça utilise le cerveau et ça l'utilise bien. Vraiment un bon petit jeu. Franchement. Bon petit jeu. J'aurai 3 pages. Vous êtes prêts? C'est parti pour la deuxième page. C'est parti pour la troisième. Il parle du système nerveux, tout ça. Oh putain, mais il y en a vraiment beaucoup, quoi. Ok. Alan Turing. Ça fait penser aux zones cachées de Portal en fait, ces zones secrètes. Je pense qu'ils sont vraiment inspirés de Portal. Je sais pas qui a fait le jeu d'ailleurs. Attendez. Non, c'est bon. J'ai cru que je venais de là, mais non. Donc là, faudrait faire tomber Rob, t'es en train de me dire.
Donc après il peut faire une échelle. Donc là, il faudrait se placer comme ça. Atteindre une caméra. Et mon son il commence à être fort là. Je vais baisser un petit peu mon son. Voilà. Ok. C'est quoi ça? Et donc ça, ça fait... Ok, ok. Je peux avoir Rob d'ici. Je dirais que oui. Ouais, je peux l'avoir d'ici. Le truc. Ouais. Donc lui, il faut le faire tomber, c'est sûr. Au moins Rob il sera dans son trou, il peut plus en ressortir, donc ça déjà ça va nous faciliter la tâche. Par contre j'ai fait une connerie. On le place ici en fait. Voilà. On va le placer ici. Et nous on va se mettre ici in extremis sur la plateforme. On va activer Rob. On se met sur la plateforme. On va bouger. Et là, on se fait niquer. Non. C'est bon. On va prendre la caméra. Ah d'accord, je vois. Je pense comprendre. On va prendre Rob. Non, j'ai pas compris en fait. Merde. Je pensais pouvoir mettre la boule dans ce truc en fait. Mais y a pas le bon angle. Et là, du coup, c'est une prière. Là, il faut deux boules obligatoirement. Y a un truc là? Non. Je peux prendre cette... Ah non, mais c'est pas une boule. Bah, je peux prendre la boule de la porte, mais ça va pas beaucoup m'aider. Ah mais le con. Il y avait ça aussi, j'avais complètement oublié. Ah bah voilà. Mais il est con. Oh, mais il est con. Oh là là, mais il est con. Ah non, mais je vous jure. Je vous jure. J'ai oublié le levier. Donc là, ça devrait marcher. Je devrais pouvoir envoyer la boule sur le truc rond. Voilà, on est monté. On reprend Rob. Ça devrait passer quand même.
caméra. Je veux bien. Mais ça, là, tout. Faut qu'il y ait une caméra qui puisse activer ça. C'est ça le but final, à mon avis. Voilà. Je peux faire bouger ça avec la caméra aussi. Quoi ici? C'est quoi ça? Y'a un truc chelou là. C'est quoi ça? Il y a des trucs, j'ai l'impression qu'on peut activer sans pouvoir les activer. C'est assez bizarre. La porte, elle est fermée là. Ah non, elle est ouverte. Ok, donc là, la porte est ouverte. Est-ce que... Ah, on va mettre une boule ici. Ça sert à rien. Ça fait bouger quoi ça déjà? Ouais. Ah. Ah. Est-ce que vous avez compris comme moi? Rob. On va te faire voyager, mec. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est ça. Oh là là. C'est ça. Et donc là, il veut qu'on mette une boule. Ah donc lui, il faut activer... Ah non, non, c'est pas une boule. Ah d'accord, ça active ça. Ah, tu veux qu'on mette une boule dedans, c'est ça? Ah ok, donc ça, ça réactive... ce machin-là. Ah bah c'est Rob, en fait, qui va pouvoir... Attendez... Est-ce que Rob, il peut activer le truc, là? Genre ici. Est-ce qu'il peut l'activer quand il est là? Ah, il peut pas. Ok, ouais, j'ai compris. J'ai compris. Maintenant, faut voir comment faire. Donc, c'est à Rob en fait de monter là-bas en haut, qu'il active le truc au dernier moment. Donc, il faut maintenant que moi j'active ça là.
Est-ce que Rob il pourra prendre la balle, enfin la balle, la boule là-bas? Je pense que oui. Je pense que oui. Donc, on va prendre la boule. Est-ce qu'il peut y aller directement? Ah non, non, j'ai pas l'impression. Là, on va le lâcher. Là, hop, on se met ici. Voilà, donc là, on va se mettre là. Est-ce qu'on a les deux boules? On a les deux boules. Je crois que là, on a tout bon. Et voilà. Donc là, par contre, il faut que je me place bien avec Rob. Où est-ce qu'on peut la voir? Je peux la voir de là? Il faut que je le fasse avancer un petit peu en fait. Au niveau de la fenêtre. Cool! Ah non, ils sont franchement bien les niveaux. Ava, you must learn to control him. Don't bite the hand that feeds you, Ava. I am your friend. Est-ce qu'il y a un truc à choper? Non. Juste la boule à choper. Ok, donc là c'est pareil. Ça, il faut le faire tomber avec une mitraillette. Ok, donc notre ami Rob, il faut l'amener de l'autre côté. Attendez, c'est tout? Mais non! C'est quoi ce niveau? C'était une blague? Le niveau blague! Ok. J'aime bien les niveaux blagues. C'est sympa. Organic life is fragile. This is the problem with humanity. It doesn't realize its own fragility. It has been programmed by a messy biological process that favors the survival of the individual over the survival of the group. You don't know that's what people think. I say what I see. You're not even alive, so you know nothing about death. Il faut que je place la caisse peut-être là-dessus. Ah ouais. C'est fort possible. Donc la caisse. Ça fait quoi en fait?
Je vois pas ce que ça fait encore ça, donc... On va prendre la caisse avec nous. On va le mettre ici. Enfin, le cube. Le cube. Le cube est notre ami. C'est bon ? C'est bon. Ah, donc là, ok, d'accord, 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 j'ai compris. Oulalalala. Ah ! D'accord, et ça va pousser la caisse. Oh là, bien joué. Ah ouais. Bien joué. On peut pas tomber, hein. Oh là 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 là. We have to save the crew. Life has worth. They deserve a life outside of this planet. Do you know what happens when this organism attaches itself to a growing child? Do you know what happens when this organism attaches itself to a cancerous cell? No, you do not. You are naive. You propose saving the crew as if it resembles a rational thought. Your words are emotional platitudes rooted in selfishness, self-preservation, and fear. I need to get them home. It is not your job. Commence à s'exciter tous les deux là. Parce qu'à la fin, on va voir Tom. Notre intelligence artificielle, Tom. Oula. Ce niveau aussi, il est un petit peu grand. Ok, donc la faute de boule. Ça va ? Ok, ça c'est la fin. Donc là on revient là où on était. Et là-bas il y a un cube apparemment. Ok, ok, ok. On est où là au fait ? Ah, on est de l'autre côté. On est de l'autre côté. Ah, ok, donc là il y a une boule rouge. Donc la boule rouge. La boule rouge. La boule rouge. Ah, faut que je passe par en haut. Ah, bah non. Ça sert à quoi ça? En gros, il faut une autre boule en fait, c'est ça? Pour l'interchanger avec la rouge. Le problème c'est que là il n'y a rien. Pas la choper d'ici, donc là je peux prendre la boule, je vais mettre ça ici, mais donc ça fait baisser ça, ce qui sert pas à grand chose. Ah non, ah d'accord, je pensais que ça faisait baisser le truc, d'accord. Ah, je comprends mieux maintenant. Heureusement que j'ai essayé, comme quoi faut toujours essayer quand on, même quand on est persuadé que certains trucs ben, ça va marcher comme ça et pas autrement, et que je suis débile, vraiment débile. Le con. Ah ouais, mais ça devait être ça. Ouais. Donc là, j'ai les deux boules.
Si je vais là-bas, je pourrais rechoper la caisse par exemple. Mais le problème c'est qu'après je peux plus passer. Parce que là la caisse, il faudrait que je la récupère. Que ce soit la caisse ou la boule. Si c'était une boule, est-ce que je peux la récupérer? C'était une boule. Je peux pas la récupérer non plus. Ah, je sais. Ah, je sais. Je sais. En fait. Attendez. Il y a mon PC qui fait du bruit. J'ai juste coupé le son du PC. La boule rouge, il faut la mettre au truc qui bouge, en fait. Comme ça, on va arriver jusqu'à la fin. On reprend la boule qu'on aura mis à la place de la caisse. Et on va repartir jusqu'ici. Et on aura les deux boules. C'est ça. Bon bah voilà, on vient de finir ce niveau. On a compris comment le faire au moins. Le truc, c'est qu'il faut que j'amène la boule rouge là-bas. Donc, il faut prendre la boule rouge. Alors, attendez, on va prendre la boule. La boule rouge... Ouais, mais... On va la mettre là-bas. On va mettre la boule bleue. On va prendre la boule rouge. On va prendre la boule bleue. La boule bleue, on va la mettre ici. On va prendre ça, ça. On va le mettre là-bas. Genre ici. Donc là, on a juste la boule rouge. Comme ça, hop, on chope la boule bleue. Hop là, on revient ici. On prend la boule rouge. Est-ce que ça marche avec une boule rouge ça? Ah ouais. Bon bah voilà. Ava, your survival is of dernier niveau. Compared with the survival of humanity as we know it. Dernier fucking niveau. Dans le bon sens du terme. Et donc là, faut une boule. Ça va activer ça, qui va activer l'aimant. Donc la porte de sortie, apparemment, c'est celle-là. Donc l'aimant, après, on bouge avec ça. Ok. Donc là, il y a une boule au milieu qui sert pour activer le tapis roulant. Ok. Là, il y a une caméra. Il doit. Ah, il y a une caméra. Le truc, c'est que la caméra. C'est quoi cette porte? La caméra peut rien activer, c'est bizarre ça. Ok, donc on a une caméra qui sert à rien. C'est assez étrange. Donc là, la porte de sortie. Là, on a une autre porte. Ah, c'est parce qu'il y a Robinou. Robinou. Évidemment, monsieur Rob. Alors. Et donc le fait d'aller là.
Ça va ouvrir la porte et Rob va pouvoir... Ok. Ok. Rob. Est-ce que là... est-ce que de là... Ok, ok. On va d'abord... On va se positionner ici. On va prendre Rob. On va aller jusqu'à la fenêtre. On va changer. Sauf que ça ne marche pas, bien sûr. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Ça. Qu'est-ce qui active l'aimant déjà ? C'est ce truc à l'intérieur, je crois, qu'active l'aimant. Donc on pourrait activer l'aimant, mettre la caisse au-dessus de la plateforme. Le problème, c'est comment désactiver l'aimant. Quand je serai là-bas dans la pièce. Parce que c'est ça, hein, ça s'active l'aimant. Ouais. Est-ce que quand on est là, c'est ça? Ok, donc on va prendre Rob. On va prendre Rob. Eh, mais j'ai pas de boule. C'est ça le truc, c'est que j'ai pas de boule. Il me faut une boule en fait. J'ai pensé en fait que... Si par exemple je remettais une boule ici et que je me mettais sur un tapis roulant, ça couperait parfois le truc, ça ferait tomber la caisse et Rob pourrait passer. Le problème c'est qu'il me faut une boule pour faire ça. Est-ce qu'il y a une autre boule par ici? Je crois pas. Il n'y avait pas de boule. Il n'y avait pas de boule. La fin du niveau et même la fin du jeu sûrement. Enfin, je sais pas, on verra. En plus, la pièce elle est pas très très grande. Ça doit être un truc comme ça. Hein. De toute façon, c'est sûr, Rob, il faut qu'il aille ici vu qu'il y a un truc de circuit. Ça, c'est obligé, c'est obligatoire. Obligatoire. Mais si, attendez, ça serait bon. Non? Si genre je fais ça... Non. On va déjà prendre la caisse. Si je fais ça... Si là, je prends Rob...
je fais ça. Ah mais je peux pas contrôler Rob, c'est ça le truc. La Rob peut bouger. Mais je peux pas le contrôler. Parce que même en utilisant la caméra. Ah, le petit Rob. Il sort pas assez en fait de la porte pour que je puisse le contrôler. Je pourrais pas le pousser. Monsieur Rob. T'es au max là ? Ouais, j'irai essayer, ça m'étonnerait que ce soit ça quand même. Non, 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 c'est pas ça. Ce n'est point ça. En fait, quand je redeviens elle, et après on pourrait sauter. Ouais, donc ça, ça donne du courant. Donc si je reste là, si je mets la caisse en bas. Attendez, il faut que je réfléchisse. Si je laisse la caisse ici. Mais pourquoi la porte s'ouvre? Ah, oui, ah d'accord, ouais, ça c'est les mots. Le stress du dernier niveau. La caisse. Là, ça prend la caisse. Ça ouvre la porte. Bon, je peux pas courir non plus. Quoique. On va essayer. On va essayer de courir pour voir. On verra bien. C'est chaud.
Attends, déjà faut que ça marche. Faut que ça marche. Non mais attends, c'est quoi? Faut le faire dans quel sens déjà? Là la porte est ouverte. Ok, faut prendre la boule en fait. Ah mais non, ça marchera pas. C'est l'inverse, c'est quand on prend la boule. Donc c'est maintenant en fait. Quand je prends la boule. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça! Ah mais c'est ça, il me manque une boule. Même pas de boule dessus en fait. Ouais. Parce après je peux faire tomber Rob aussi. Oula oula oula. Ah non mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Attendez, quoi que. C'est quoi ça? Ça marche avec un seul.
Et même si ça marche avec un seul, ça m'avance pas trop. Faire en sorte que la caisse et là, c'est le drame. J'avais pas vu qu'il y avait un interrupteur. Enfin, un levier plutôt. Je crois qu'on vient de se débloquer en fait. Combien de se débloquer. Faut juste en fait prendre la caisse. Voilà. Ça. C'était ça, mais je l'avais trouvé en fait du premier coup. C'était juste le levier en fait qui me posait problème. Parce que j'avais pas bien vu. Oh putain, c'est ça. Oh, oh là 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 là. Et ben voilà, on l'a réussi. Ben, si j'avais bien vu le levier, s'il avait été d'une couleur différente en même temps, ben on aurait fini le niveau en 2 minutes. Eh oui, il était pas très 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 dur quand même comme dernier niveau, hein. Du coup, est-ce que c'est fini? Nous nous posons la question. En tout cas, c'est lent. C'est très lent au niveau du chargement. Oula. Avi made it. Welcome. To the end of civilization. Oh putain, c'est pas fini. Il y a une autre porte. Non. 2 weeks ago, we discovered an organism here. Buried in this ice, we found an organism that repairs DNA. A cure for aging. A cure for death, immortality. It runs through our blood now.
Tom wants to bury us here with it. Je suis pas sûr que ça fasse quelque chose vu que tout est coupé. Ouais. Ouais, on verra bien. Ces salles de test. The ISA have ruled that we have transgressed ethical boundaries by exposing ourselves to this organism. They believe the organism is too dangerous to return to Earth. They've sent you here to stop us ever leaving Europa. But Ava, we have a cure for the greatest evil that faces humanity. Death. We have the fountain of youth, and together we can return it to Earth. Tom placed a mark in your hand, a biometric chip with which he can control your every movement and thought. It is wound into your every nerve, every fiber of your hand. With an electromagnetic field, it can be temporarily disturbed, but to remove its influence permanently, it must be taken from your hand. Give me your hand. Do you want me to set you free? Yes. Sarah, what are you doing here? We were shutting you down, Tom. Ava, be careful. He has a live weapon in here. Everything I did for good. This organism, it cannot return to Earth. It would cause great suffering. A cure for death? It would end suffering. No. Cancers that never die. Endless illness, sickness, poverty, overpopulation, mass starvation. You cannot control this. You will not save the world. You will damn it. Once we've shut you down, we're going home. We're going home. Not if I stop you. You must not return to Earth. You must not leave Europa. I will do the right thing. I will. You monster! I am sorry, Ava. Ava? 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 Ava, wake up. Ava. Ava. À mon avis, on vient d'avoir une des fins du jeu. Je suppose qu'il doit y en avoir une autre. Genre, les laisser... les laisser vivre, peut-être. En tout cas, ça fait plein de petits bébés succès. Il y a des succès qui sont en train de popper dans tous les sens. Ben, en tout cas, moi, je peux vous dire que c'était vraiment un super bon jeu.
J'ai passé un bon temps dessus. Donc, je sais pas, j'ai dû passer peut-être 6 heures, un truc comme ça, 6-7 heures dessus. Franchement, très très bon jeu, très bonne pioche. Je pensais pas du tout que ça allait être un jeu de ce type-là. Et je suis Maybe you vraiment made it. étonné et Welcome to the end très of bien surpris. civilization. 2 weeks ago, we discovered an organism here. Buried in this ice, we found an organism that repairs DNA. A cure for aging, a cure for death, immortality. It runs through our blood now. Tom wants to bury us here with it. On va lui redonner notre main. The ISA have ruled that we have transgressed ethical boundaries by exposing ourselves to this organism. They believe the organism is too dangerous to return to Earth. They've sent you here to stop us ever leaving Europa. But Ava, we have a cure for the greatest evil that faces humanity. Death. We have the fountain of youth, and together we can return it to Earth. Tom placed a mark in your hand, a biometric chip with which he can control your every movement and thought. It is wound into your every nerve, every fiber of your hand. With an electromagnetic field, it can be temporarily disturbed, but to remove its influence permanently, it must be taken from your hand. Give me your hand. Do you want me to set you free? Yes. Ava? Sarah? What are you doing here? We're shutting you down, Tom. Ava, be careful. He has a lot of weapon in here. Everything I did for good. This organism, it cannot return to Earth. It would cause great suffering. A cure for death? It would end suffering. No. Cancers that never die. Endless illness, illness, sickness, poverty, overpopulation, mass starvation. You cannot control this. You will not save the world. You will damn it. Once we've shut you down, we're going home. Not if I stop you. You must not return to Earth. You must not leave Europa. I will do the right thing. I will stop you. You won't. You can't. This is my mind. You're in my mind. Now you know how it feels. I feel afraid. Please, Ava, don't do this. I don't want to die. I'm not ready. Bon bah voilà, ça se finit de la même façon en fait. Enfin, ça se finit de la même façon. Tom meurt et donc les deux filles peuvent repartir sur Terre. Il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas de succès non plus qui s'active, donc apparemment, quelle que soit la fin. Donc voilà, soit ça se finit de la façon qu'on veut, quoi.
Donc franchement, bonne pioche. Voilà, je sais que j'ai pas arrêté de le dire plusieurs fois, mais c'était vraiment un bon jeu. Et si vous avez le gold, donc vu qu'il est gratuit ce mois-ci, ben, je vous le conseille vraiment, parce que, enfin, si vous avez vu donc toutes les vidéos, évidemment, ça va être peut-être pas très intéressant de refaire le jeu, vu que c'est du puzzle et que vous avez vu la solution. C'est peut-être pas si fun que ça. Mais si vous regardez donc cette dernière vidéo, que vous n'avez pas vu vraiment le début, ben, je vous le recommande. Un très très bon petit jeu qui ressemble beaucoup à Portal, Portal 1 et Portal 2. Donc pour la prochaine fois, on se retrouvera sur un nouveau jeu. Je sais pas quel jeu encore. À mon avis, sera sur Xbox encore, Xbox One. Je vais peut-être essayer de faire un live sur PlayStation 4 pour voir si ça marche maintenant, vu qu'il y a eu pas mal de mises à jour. Donc depuis à peu près 8 mois, un an. Et si jamais ça marche pas, ben voilà, ça sera Xbox One à donf. C'était l'Unreal Engine 4. Square Enix Collective ? Ah ! D'accord, donc Square Enix Collective, en fait, c'est le projet en fait, de Square Enix qui aide les développeurs indé à faire des jeux. Il y a la même chose en fait avec EA, justement le jeu Unravel, la petite boule de laine qui était sortie ça fait 2 ans maintenant, à peu près, 1 an, 2 ans. Donc on va se laisser sur... les crédits. Bravo messieurs et mesdames aussi. Vous avez fait un bon jeu. Tiens, pendant que c'est la fin, je vais juste regarder quelques infos sur le jeu. Turing. Des informations d'ailleurs sur Wikipédia. Le test de Turing est une proposition de test d'intelligence artificielle fondée sur la faculté d'une machine à imiter la conversation humaine. Décrit par Alan Turing, donc la page qu'on a vue tout à l'heure, en 1950 dans sa publication Computing Machinery and Intelligence, ce test consiste à mettre un humain en confrontation verbale à l'aveugle avec un ordinateur et un autre humain. Si la personne qui engage les conversations n'est pas capable de dire lequel de ses interlocuteurs est un ordinateur, on peut considérer que le logiciel de l'ordinateur a passé avec succès le test. Cela sous-entend que l'ordinateur et l'humain essaieront d'avoir une apparence sémantique humaine. Pour conserver la simplicité et l'universalité du test, c'est fini, la conversation est limitée à des messages textuels entre les protagonistes. Donc il a eu 14 sur 20 sur jeuxvideo.com, le jeu. Il a été testé quand? 2016, ouais, c'est ça. Il a dû d'abord sortir sur PC. Ouais. Et peut-être sur PlayStation 4, peut-être qu'il est sorti sur One après. Donc, les développeurs sont Bulkhead Interactive. Point positif du jeu, donc selon jeuxvideo.com toujours, puzzle varié et réussi, progression bien pensée, simple mais jolie et stable, OST convaincante. C'est vrai que l'OST est vraiment pas mal. Point négatif, quelques bugs d'interface. Ça on en a pas vu. C'est vrai que parfois c'est pas très visible, genre dans le dernier niveau le levier. Mais bon, uniquement en anglais.
Oui, c'est vrai que le jeu était en anglais. On peut parfois tricher pour casser la boucle d'un puzzle. Ça doit être possible, ouais. Impression déjà vue, bah évidemment, avec Portal. Principalement destiné aux amateurs de puzzle game, The Turing Test tente d'ajouter un gameplay propice à la réflexion, un fond narratif complexe et recherché. Le titre est finalement réussi sur le premier point et plus convenu qu'espéré sur le second. On oubliera donc vite les rebondissements trop prévisibles pour ne retenir que les bons moments passés explorés. Les nombreuses salles du jeu se creusant la cervelle pour savoir comment indiquer, imbriquer tous les éléments afin d'avancer encore et encore. Malgré un grand classicisme sur la forme et le fond, ce Turing Test remplit donc bien son cahier des charges en nous proposant tout de même une aventure plaisante à parcourir pour peu que l'on apprécie les jeux de réflexion. Ouais. Ben moi, je suis pas fan non plus des jeux de réflexion, j'aime bien, sans plus, mais j'avoue que celui-là il était vraiment bien quand même. Vraiment bien. Et donc juste donc le jeu de Bulkhead Interactive, on va voir combien il a eu sur Metacritic. Et puis je vais arrêter la vidéo. Donc The Turing Test sur PC il a eu 74% et sur Xbox il a 80%. Est-ce qu'il est sorti sur PlayStation 4? On dirait que oui, vu qu'il a 74% aussi sur PlayStation 4. Je sais pas pourquoi la version Xbox est plus une meilleure note. C'est marrant. Donc True Achievements, il a eu 100%. ICXM, je sais pas ce que c'est, 90%. Game Informer, 85%. The Six Axis, 80%. Xbox Achievement, 75%. GamesPew, 70%. Official Xbox Magazine UK, 70%. Ouais. Windows Central 70%. Bon bah voilà, c'est à peu près les notes qu'il a eues. Et les utilisateurs ont mis 15 sur jeuxvideo.com. Il a 7,8 sur Metacritic. Donc c'est plutôt des bonnes notes quand même qu'il a. Après il y a des gens qui disent dans les commentaires négatifs que ça ressemble à un sous-portal. Bah, on peut pas dire non. Parce que franchement, c'est vrai que c'est un portal, c'est une copie de portal. En beaucoup moins dur et peut-être moins poussé aussi au niveau de la narration, tout ça. Mais voilà, hein, j'ai envie de dire, n'est pas Portal qui veut, quoi. Portal, c'est Valve qui est derrière, donc Steam. Les mecs, bon, ils sont rodés. Là, c'est un jeu indé. Même si Portal, j'avoue qu'au début, c'était un jeu expérience. J'ai envie de dire, c'est un petit peu, ça arrive au niveau du premier Portal. Après, Portal 2 explose ce jeu, mais voilà, Portal 2, ils ont peaufiné tout le truc, ils en ont fait un vrai jeu. Alors que là, voilà, c'est développeur indé, on peut pas comparer quand même Steam qui est archi milliardaire à des mecs qui, c'est peut-être, je sais pas, c'est leur premier jeu, mais qui ont fait quelques jeux. Donc voilà, très bon jeu indé, bon jeu. Peut-être sur Xbox One il est un petit peu meilleur, je sais pas. Peut-être qu'il y a eu des patchs qu'il n'y a pas eu sur PlayStation 4, je sais pas. En tout cas, quelle que soit la plateforme, je vous le recommande. Et on se retrouvera donc dans une prochaine vidéo. Mais sûrement pareil, hein, une sorte de walkthrough, playthrough, tout ce que vous voulez. Donc dans quelques jours. Moi je vous dis à la prochaine et passez une bonne journée. Bye bye!